Bonjour, je m'appelle Pierre Rollet, j'ai 18 ans, je suis né à Bayonne. Je suis actuellement en terminale ES à Cassin. J'habite à Anglette et je fais du surf depuis l'âge de 9 ans. J'ai débuté le surf un peu par hasard sur un été avec ma cousine sur la plage de Marinella. Je jouais avant au rugby et ils ont décidé de me prêter une planche. Et donc j'ai essayé, ça m'a plu. Et c'est comme ça que tout est parti. Je me suis ensuite inscrit à l'Anglette Surf Club et j'ai commencé les compètes petit à petit. Aujourd'hui, je me suis principalement focalisé sur le circuit Pro Junior. C'est mon sponsor qui m'aide à y participer. J'essaye de faire les meilleurs résultats possibles sur ce tour pour ensuite, je sais pas, peut-être continuer ou simplement continuer à m'amuser en faisant des compétitions et profiter de ce que je peux avoir pour le moment. J'ai hésité un temps avec mes parents à m'inscrire au CNED, mais bon, je me voyais mal le matin me lever et pas aller retrouver mes copains à l'école, même si c'était pour faire ma passion, pour aller surfer. C'est vrai que c'est plutôt difficile d'aller à l'école et de pouvoir surfer parce qu'on finit un peu tard le soir et on est fatigué, il y a les devoirs, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est aussi sympa quand on va à l'école et qu'on se dit d'avoir un objectif, à se dire le soir, après cette journée de cours, je peux aller surfer. C'est un bon but dans la journée. Je préfère me lever tôt et par exemple aller courir à la montagne. Si par exemple le matin c'est marée haute, j'aime bien profiter par exemple d'un lever de soleil en haut de la rune. Donc je pars courir en haut de la rune. Je redescends, la marée est descendue, je vais voir les vagues, si c'est bien je vais surfer. Après je mange et l'après-midi je peux repartir surfer. Et donc le soir, une journée avec moi, généralement on dort bien. Au niveau du surf, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est pour ça que je continue l'école, je passe mon bac cette année. Et je vais vraiment me concentrer à réfléchir à ce que je veux faire plus tard parce que là on m'a déjà demandé à l'école qu'est-ce que je voulais faire et c'est vraiment dur de trouver une réponse. Mais je compte quand même continuer le surf et continuer les deux en parallèle, les études et le surf.